Non. Je sais que c'est dur, mais c'est nécessaire. Ça fait 2 jours! Comment peux-tu rester là, les bras croisés? Il ne mérite pas ça. Je vais le sortir de là. Amicia, un porteur qui atteint le dernier seuil, c'est une situation exceptionnelle. Et très grave aussi. Bien entendu, il va falloir l'isoler dès que possible. L'ordre possède un endroit spécial. Vous voulez enfermer Hugo? Sais-tu de quoi ton frère est vraiment capable? Ça ne va faire qu'empirer. Mais enfin, c'est un enfant! Ce n'est pas de sa faute! Et plus vous le faites souffrir, plus les rats se répandent, et plus il sème la mort! C'est pour cela que nous devons l'emmener. Son pouvoir grandira à mesure que sa vie s'approchera de la fin. Magister, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Amicia, Hugo est condamné. Le porteur ne pourra pas survivre au dernier seuil. Non. Non, il y a forcément un moyen. Lucas ton a réussi à... Ton camarade a seulement gagné du temps quand ton frère a atteint le premier seuil. Mais cette fois, c'est différent. Rien ne peut plus l'arrêter. Aucun élixir, aucune potion. Attendez. Il y a une île. Il parle tout le temps d'une île. Elle est peut-être liée à la Macula. On c'est doit... le fruit de son imagination. Et qu'est-ce que le fruit de son imagination fait accroché au mur de votre laboratoire? Hein? Qu'y a-t-il là-bas? Pauvre enfant. Tu refuses de voir la vérité en face. Accepte le destin de ton petit frère et le tien. La protectrice a pour seul rôle de faire ce que l'ordre lui commande. Je m'en fiche pas mal de votre ordre. Je ne vous connais pas, et je ne travaille pas pour vous. Laissez-moi le voir! Hugo est épuisé, Amicia. Tu ne peux pas aller le voir dans ton état. Laissez-moi passer! Pas avant de t'être calmé. Tu l'as dit toi-même, la Macula se nourrit de ses émotions. Ah! Quant à nous, nous devons nous rendre au quartier de l'Ordre à Marseille, et ce dès que possible. J'ai un bateau et un passeur, Joseph. Il nous attend au port, il faut le prévenir. Quant à moi, j'ai besoin de repos. Venez me voir quand tout sera prêt. Lucas, s'il te plaît, va au port et trouve ce Joseph. Oui, magistrat. Amicia, viens avec moi. Soyez prudent, s'il te plaît. Est-ce que ça va? Non! Tu étais au courant pour Hugo? Je voulais t'en parler, mais... Tu aurais dû. On parle de mon frère, Lucas! Je ne pensais pas que le magistère Vaudin te l'annoncerait comme ça. Oh, Seigneur, je peux pas... Oh, continuons! D'accord. Couvre-feu! À tous les habitants, restez chez vous! Une patrouille! Que se passe-t-il? La ville est en état d'urgence! Tout individu présent dans les rues sera arrêté! Ça y est, ils vont boucler la ville tout entière! Souviens-toi du quartier en quarantaine. Ils n'oseraient pas purger la ville entière, si? Je ne sais pas. On a besoin de ce bateau, et vite! Je m'y prendrai autrement.
Tu voulais que je demande au magistère Vaudin à propos de l'île. La fresque dans ses appartements. Il a dit quoi? Il a dit que ce n'était qu'un symbole. Un symbole au pic jumeau. Exactement comme dans les rêves d'Hugo. Je sais. L'île, le réveil de la Macula, l'ordre, c'est trop tout ça. Contente de te l'entendre dire. Ça m'aide à ne pas me sentir seule dans tout ça. Tu ne l'es pas. Je suis là. Je suis désolé, Amicia. Pour Hugo. N'est pas encore mort. Très bien. N'oublie pas, on épargne les soldats. On reste en vie. D'accord. Va tuer, ne pas se faire repérer. Allez, trouvons ce bateau. On y est. Alors, où est notre bateau? Voile rouge et blanche. Juste là. Il est toujours là. Bien. Son capitaine aussi, j'espère. En effet. Oh, elle est si belle. Je la prends. Pour Hugo. Une gentiane, je crois. Ça devrait lui plaire. J'aimerais pouvoir lui offrir tellement plus. Il aime tout ce qui vient de toi. Pas sûr qu'il soit de cet avis. Pas se permettre de casser ces jarres. La ville n'a plus le temps. La ville a besoin de ces jarres intactes, alors calmez-vous. Assez jacassés, soldats. Allez, allez. Qu'est-ce qui fabrique? Il s'aggrave encore les choses, je dirais. On devrait juste partir d'ici. Il paraît que la Guyenne n'était plus qu'un vaste cimetière quand c'est arrivé. Oui, et vous subirez bientôt le même sort, vous aussi. Ce couvre-feu va tous les condamner. Oui, ça va être horrible. Un vrai festin de rats. Vous, les Blancs-Becs, vous avez vos ordres? Surveillez les jarres jusqu'à ce qu'on soit de l'autre côté. Nos vies en dépendent. Faites vos prières et allons-y. Regarde ce mur. Oui, ils l'ont érigé à la va-vite. Et ils nous empêchent de rejoindre le bateau. Approchons-nous. Bonne chance, soldats. Ils vont y arriver cette fois? Je crois rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que les cadavres affluent de la ville et qu'on en a déjà trop dans nos rangs. J'aurais dû aller voir ma mère tant que je le pouvais.
Rie. On n'a plus que ça. C'est bien peu. C'est impossible. Il y en a tellement. Comment on va traverser ça? Ce liquide au sol, c'était dans leur jarre. Ça sent la poix. Si c'est ça, c'est hautement inflammable. Essaie d'y mettre le feu. Oui, oui, essayons. Ah, je ne m'y attendais pas, et eux non plus. Attention avec ces flammes. Ce bras zéro, on peut le déplacer. Oui. C'est pas possible. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Jusqu'à ce que les rats l'envahissent aussi. Amicia, l'Ordre possède des quartiers adaptés à Marseille. Des équipements et des gens. Des gens comme Vaudin? Et tu crois que ça va se finir comment? Si on reste ici, on meurt de toute façon. Faites que ce soit utile. Bien, mettons-nous au travail. Voyons ce qu'on peut faire. Ça devrait me simplifier un peu la vie.
loin. Le bateau de Joseph. On se rapproche. Oh, en voilà d'autres. Ce bâtiment sur la gauche paraît plus sûr. Les rats ont détruit le reste du ponton. Espérons qu'on pourra passer. Par là. Oh. Oh. Quelle pagaille. Oh, cette odeur. De la poix. Ça fait tourner la tête. Je n'entends pas de rats ici. Non. Mais ils étaient là. Regarde ça. Seigneur. C'est quoi tout ça? Une fabrique de poix. Ils doivent l'utiliser pour étancher les coques des bateaux. Ces mécanismes sont encore intacts. L'odeur est différente ici. De la résine. C'est un bassin de mélange. Le tonneau là-haut, ça doit être le diluant. On devrait avancer. Oh non ! Oh Dieu ! Ils me poursuivent ! Pas de panique ! On a de la résine. Avec le diluant là-haut, on pourra faire de la poix. Un bassin de poix. Ça pourrait nous permettre d'atteindre cette porte dans le fond. Mais le tonneau est vraiment haut. On doit trouver un moyen de l'atteindre. Voyons voir. Ces cordes font bouger la plateforme. Les ouvriers doivent utiliser cette échelle derrière la grille pour l'atteindre. Il faut trouver un moyen d'y aller. C'est fermé de l'intérieur. Bien joué. Voilà qu'on fabrique de la poix. Je sais, mais ça devrait être rapide. Bon, allons-y. Bon, est-ce que je m'occupe de la partie réservoir? Tu en penses quoi? Oui, monte par l'échelle. Je me charge de faire bouger la plateforme. J'y vais. Oui, tourne-la à fond. Je m'en occupe. Tiens bon jusqu'à mon signal. D'accord. Je suis prêt. Je lâche. Accroche-toi. Wow. Reviens au bassin. J'arrive. Le diluant. Je vois. C'est de l'alcool, bien sûr. Tu es prêt? Fabriquons ça de quoi? On verse! Tu connais les quantités? Non! J'improvise! S'il te plaît, évite de nous tuer! Bien! Je pense que tu peux l'enflammer! D'accord! Voyons si cette poix est efficace! Oh, ça marche! Oui! Bon, première étape franchie! Oui, mais je suis coincée! Attends! Je crois qu'il faisait des expériences avec les ingrédients ici. Oui, ça peut marcher. Je te les envoie. Ces bêtes sont tout prêts. Ici, préviens-moi quand tu es prête à attraper. Vas-y.
Tu as de la résine et de l'alcool. Mélange-les. C'est fait. Parfait. C'est parti. Maintenant, lance un pot de poids entre ces deux bassins. Pourvu que ça marche. Voyons si cette poids est efficace. Parfait. Oui. Ce dernier bassin est déjà rempli de poids. J'arrive. Sauver la mise. La poids t'a sauvé. Ça fait des miracles. En tout cas, merci. Il n'y a pas de quoi. J'espère que ça en vaut la peine. Notre bateau devrait être droit devant. Ne sois pas trop optimiste. Écoute, Amicia. Pour Hugo, j'étais coincé entre le magistère Vaudin et ta mère et... Et je n'ai aucune excuse. J'ai eu tort. C'est juste que... J'étais pas prête. Je peux pas le perdre. Je peux pas. On fera ce qu'il faut. Oui. Être en train de mourir en ce moment. Mais c'est si calme. Nous n'aurions jamais dû venir. Tu persistes à croire que tu peux tout contrôler. Mais nous ne sommes que des grains de sable face à la Macula. Je ne suis pas un grain de sable, Lucas. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois arrêter de te sentir coupable. Peut-être. Viens, un bateau nous attend. Allons emmener Hugo loin d'ici. Très bien. Allez, suis-moi. Le bateau de Joseph. On se rapproche. Oui, allons-y. Oh, ils sont là. C'est infesté en bas. Attends, regarde. C'est de la résine en bas. Et là, un tonneau de diluant. Ils fabriquaient encore de la poids ici. Utilisons-la pour dégager le chemin jusqu'au bateau. Oui. Fabriquons encore de la poids. Alors, voyons à quoi tu sers, toi. Ça contrôle la passerelle. Il faut amener ce tonneau ici. Qui, vous ? On fait que passer ! Eh bien, impossible ! Je suis coincé ici depuis un bail avec Sera. Faut que je sorte d'ici ! On a une idée ! Avez-vous accès à cette passerelle ? Un instant ! Il a l'air... raisonnable. Il a peur. Alors ça joue pour nous. Voici ton diluant ! Merci ! Il n'a pas l'air au courant de notre évasion. Oh, il n'a pas encore fait le rapprochement.
Et on recommence. Ils aiment pas le feu, hein? Non. Bien. Vous allez allumer ça comment? On a nos méthodes. Je vois aucune torche ici. Attendez un peu. Bon, c'est déjà ça. Hé, hey, c'est quoi ce truc enflammé que vous... Lucas, à toi de jouer. D'accord. Alors, vous allez où comme ça? On se sauve d'ici. Vous êtes au courant qu'on est en plein milieu d'un confinement? Oui, et les gens meurent quand même. Alors on tente notre chance. Je vois. Ça ira comme ça. Bien. Bien, tout est en place. Là. C'est le moment d'allumer celui-ci aussi. Je m'en charge. Un bateau qui bloque le passage. À toi de lever celui-là. Occupe-toi de ça, Lucas. Immédiatement. Travail d'équipe, vous vous débrouillez bien pour des civils. On a souvent dû ne compter que sur nous-mêmes. On y est presque. Remplissez juste ce dernier bassin. Le voir de plus près. Restons prudents. On ne sait pas ce qu'il aurait fait si on l'avait croisé en vie. Suivre les ordres. Oui, quel qu'il soit. Wouh ! Eh ben, bon travail ! On l'a fait ! Une chance que vous ayez décidé d'enfreindre la loi ce soir ! On devrait y aller, non ? Oui, on est pressé. Bien, je vais vous escorter jusque chez vous. En fait, nous devons continuer par là. Impossible. Vous devez rentrer chez vous. Vous plaisantez ! Laissez-nous partir ! On a fait notre part. La loi, c'est la loi. Laissez-nous passer, ou vous allez le regretter. Tu menaces un soldat de... On n'a pas le temps pour ça. Cours, vers les escaliers. Viens, le bateau est juste ici. Oui. Oh, Seigneur. Ces gens... Plus jamais je ne croirai aucun d'eux. Oui.
On se met au travail. Voyons un peu ce bateau. C'est une affaire de santé publique. Tu aurais dû partir quand tu le pouvais, Joseph. Je dois attendre un client et j'honore toujours mes contrats, mon ami. Estime que ton contrat est annulé alors. Le port est condamné et tu es un intrus. C'est notre homme. Ouais. Mais les ennuis arrivent. Ne restons pas là. D'accord. Tu sais quoi? J'ai pas que ça à faire. Non. Tu en sais beaucoup trop. Je dois t'arrêter. Oh, sans blague. Va au diable! Joseph, attendez! Ne bougez pas! Nous venons de la part de Magister Vaudin. Nous devons quitter la ville! Vous croyez que je fais quoi, là? Cet endroit est foutu! Pitié! On est coincés ici! Et nous avons un enfant avec nous! D'accord, d'accord. On se retrouve au prochain ponton. Qui êtes-vous? Où est le capitaine? Merde! Des intrus! Agressif.
peur de voir Mère et Hugo parmi eux. Je crois qu'ils ont commencé la purge par les bas quartiers. La maison est dans la ville haute. Il reste du temps. J'espère que tu as raison. J'ai cru que vous ne viendriez jamais. Venez! Merci de nous avoir attendus. Et pour le coup de main. Vous aussi, vous m'avez aidé. Bah, où est le reste du groupe? En ville, ils préparent le voyage. Je dois... Hugo! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais les chercher. Retrouvez-nous, ok? Près de la maison! Sois prudente! Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a réveillé. Là, la maison. C'est mauvais signe, je vous le dis. Respectez le couvre-feu, rentrez chez vous. Que se passe-t-il? On doit savoir. Dites la vérité. Non. Fuyez, vite! Thank you.
Seigneur, je le savais, je leur avais dit que ça arrivait. C'est à cause de ce maudit Vaudan. Là. La maison, je peux y arriver. Cauchemar. Je sais. Qu'est-ce qui se passe? Il faut partir, avant que toute la maison ne s'effondre. Oui, Lucas doit nous attendre sur le quai. Venez. Amicia, je devrais le porter. Je m'en charge. La ville, elle a disparu. Toute la ville. Nous devons partir. C'est sans précédent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête qui tourne. Rien. Rendors-toi. Je te donnerai quelque chose sur le bateau. Ça te calmera. Mais je veux que ça s'arrête pour de bon. Je suis désolée. Je veux que ça s'arrête, Amicia.
Bientôt, à Marseille, nous trouverons de l'aide. C'est pas vrai! Tu dis toujours ça, mais tu mens! Tu mens! Hugo, je... S'il te plaît, calme-toi! Tu as le droit d'être triste et en colère, mais je ne t'abandonnerai pas. Tu le sais! On trouvera un moyen. Je te le promets. Vous allez bien? J'ai cru que vous étiez... On est tous sains et saufs, Lucas. Montez à bord, vite! Il n'y a que nous. Magister Vaudin... Je vois. Dans ce cas, traînons pas. Fellow is dead.